Bonjour à tous, au menu aujourd'hui, on va dire adieu au poulet fade, au programme mes marinades, donc let's go. La star de la recette aujourd'hui, c'est les poitrines, environ une dizaine. Bien sûr, pilon, cuisse, aile, ça fonctionne aussi, mais j'ai choisi des poitrines. On garde ça assez sain, on veut maigrir pour la plage. Pour les marinades, 5, donc vraiment pour tous les goûts, beaucoup d'éléments, ça rentre même pas sur la planche. Pour les marinades, voilà ce qu'il vous faut. Pour chaque recette, du poulet et de l'ail, les éléments de la version sucrée. Pour la version asiatique, la version la plus simple, barbecue, voilà la version au citron. Et la version au curry, voilà les éléments. Et on passe à la préparation. Normalement, ça prend entre 1 à 2 heures pour que le poulet soit bien imbibé de marinade. Mais si vous n'avez pas 1 à 2 heures comme moi, eh bien on va tricher un peu. Je vous montre une manière express pour avoir un poulet goûteux, juteux, prêt en moins de 30 minutes. On va commencer par mettre une planche sur la planche, une poitrine de poulet au hasard sur la planche. La poitrine, on la place au centre. On coupe le poulet en deux sans se couper la paume de la main. On ouvre. On tourne pour que vous voyez mieux. Et voilà. Soit avec un couteau ou un marteau, on attaque le poulet. On retourne le poulet et on fait quelques incisions vraiment pas profondes. Juste pour ouvrir la chair pour que la marinade rentre en dedans. Non seulement la marinade va rentrer en dedans, mais le poulet va cuire encore plus rapidement. Donc on fait comme ça pour une poitrine. Une autre version express arrive. Celui-ci, un suprême, on va l'enlever. La poitrine, on l'ouvre en deux. On fignole un peu. Le marteau arrive et on attaque le poulet. Et voilà, on retourne, quelques incisions, vraiment pas trop profondes. Un peu quadrillé, c'est parfait. Pour le suprême, il est assez mince, on fait rien. Donc voilà la préparation pour la marinade express. Si vous avez un peu plus de temps, on peut salir une autre planche. Poitrine sur la table, le suprême, on enlève. Et on va pas attaquer le poulet, on va pas le couper en deux. Par contre, on va quadriller le poulet pour que la marinade rentre en dedans et imbibe le poulet jusqu'au fond. On continue. Non seulement la marinade rentre en dedans, le poulet cuit plus vite et en bonus, ça fait joli. Et voilà, terminé. La pile, on la réserve et on va se laver les mains. Chez nous, on aime l'ail, donc naturellement beaucoup d'ail. On écrase. On la porte ensemble. On émince très 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 petit. Pour les amateurs de poudre, on peut remplacer l'ail frais par des poudres d'ail. On réunit, on fait une ligne et on passe. L'ail est coupé grosso modo, bol et on réserve. Et le couteau à 15 degrés pour ne pas abîmer la lame. La planche, on la lave et on passe à la prochaine étape. Là, dans un gros bol, on commence avec la version au sirop d'érable. Donc, une poitrine de poulet dans le bol. Normalement, pour ces marinades, les quantités que je vous donne, c'est pour deux poitrines de poulet. Vu que c'est moi qui vais manger tout ce poulet, je préfère juste manger 5 poitrines de poulet que 10. Donc pour la vidéo, je vous montre qu'avec une poitrine. Mais juste imaginez qu'il y a 2 poitrines de poulet dans le bol. Sur le poulet, sirop d'érable, de l'ail, environ 2 gousses, moutarde de Dijon, même quantité que le sirop. Là, on met un filet d'huile d'arachide, du sel, du poivre, vinaigre de cidre de pomme, un peu. Et avec les mains propres, on les salit. On rentre bien la marinade dans le poulet, on le masse un peu. Et donc la quantité que je vous ai donnée, c'est pour 2 poitrines. Voilà pourquoi il y a encore beaucoup de liquide. On se lave les mains. Et ce poulet ne sera pas pour aujourd'hui, mais il sera congelé dans des sacs au congélateur. Donc on ouvre. Personnellement, je choisis des sacs de haute qualité. Comme ça, on pourra les laver, les aérer et les réutiliser. Le sac, on ouvre. Et le poulet, tranquillement dans le sac. On fait le moins de dégâts possible. On enlève l'air le mieux qu'on peut. Si vous avez une machine sous vide, c'est le temps d'utiliser. Par contre, c'est la seule machine qu'on n'a pas chez nous. On peut écrire dessus la date d'aujourd'hui et au congélateur. Deuxième version, deuxième poitrine. Celle-ci sera à l'asiatique. L'huile de sésame grillée, un filet. Sauce soya faible en sel, un peu plus. Vinaigre de riz, environ 15 ml. De l'ail, 2 gousses. Gingembre, on réunit, on coupe en lanières. Et voilà, c'est coupé très petit. Le gingembre dans le bol. L'oignon vert qui a été lavé, on le coupe en petites rondelles. C'est assez. On concasse grossièrement et le lion vert, on le lance par-dessus. Avec les mains propres, on mélange le poulet et on enfonce dans le poulet. Bon, il est bien recouvert, on se lave les mains puis on prépare le transport. Le sac, on l'ouvre et on transporte le poulet sans faire de dégâts. Allez hop, on fait ça tranquillement. Bon, mission accomplie. On le ferme. Et comme je disais avant, imaginez 2 poitrines. On enlève le plus d'air possible. Le sac, on le ferme. On va écrire la date d'aujourd'hui et le poulet au congélateur. Pour la version barbecue, la sauce is up to you. Moi perso, j'aime celle-ci, mais celle de chez vous marchera très bien aussi. On recouvre bien. L'huile d'arachide revient. Un filet.
pour plus de piquant, épices, issou, bonne quantité. Et comme toujours, on met de l'ail. L'ail chez nous, c'est vraiment quelque chose de sacré. Un peu de sel, et avec la main propre, on mélange. On fait un petit massage, on veut un poulet très relax. On se lave la main, on prend un sac, on l'ouvre, on transporte le poulet. Et si vous voulez chez vous, prenez une marise, récupérez le tout et mettez-le dans le sac. On enlève l'air et le poulet, on réserve. Pour celle au curry, la main on la lave, la main revient. Yaourt grec, une bonne cuillerée, cassonade par-dessus, curry, pas mal beaucoup. Bien sûr de l'ail, environ 2 gousses. Le bol, on le pousse, on prend le jus d'un citron vert, donc on active les jus. Le citron vert, on le coupe en deux. Le bol revient et on prend le jus d'un citron vert. Deuxième demi, donc un citron complet. Et avec les mains, on mélange. Prends bien la marinade en dedans. La main, encore une fois, à la plonge. Encore une fois, sac. Et le poulet, on le glisse dans le sac. Et si on veut, on prend une marise, on rentre bien le bol et la marinade avec le poulet. On ferme tout et on congélateur avec le reste. Et là, ma version préférée pour l'été, poitrine de poulet, il me reste les suprêmes, on les met aussi. Moutarde de Dijon, une bonne cuillerée. Thym, origan, sel, un peu de poivre, huile d'arachide, pas mal beaucoup, jus d'un citron. On active les jus, on le coupe en deux. Le bol revient, on le presse. Encore une demi, donc on met tout. Et les mains sont sales, on en profite, on mélange. J'ai oublié la meilleure chose, on se lave les mains. La meilleure chose, là voilà, on met l'ail. Grosso modo, 2 gousses. Et rebolote, on mélange. Donc ça, c'est ma version préférée pour l'été. Elle est remplie de fraîcheur, remplie de saveur. Vraiment idéale pour les barbecues. On se lave les mains encore une fois. On transfère. On retire l'air. Et encore une fois, au congélateur pour jusqu'à 3 mois. Là, les marinades sont prêtes, on fait quoi? Donc on attend 2 heures au frais avant de les cuire, ou si vous avez fait une immense quantité, on les met au réfrigérateur pour jusqu'à 3 mois. Donc si vous avez décidé de les faire dans quelques mois, on les sort, on les met au frais pendant 24 heures pour qu'ils se décongèlent. Et là, on peut les faire cuire avec aucune crainte de bactéries. Et pour les faire cuire, il y a plusieurs options. Donc au four à 350 degrés Fahrenheit, on les place au milieu du four à chaleur tournante. La deuxième version, c'est à la poêle. Troisième, au barbecue. Et ma préférée, celle qu'on va faire maintenant, c'est la version au grill. Les poitrines express du début de la vidéo dans le bol. Dans le bol, on met l'ail, huile d'arachide, barbecue. Et pour faire mal en rentrant et en sortant, issou. Allez hop, les mains sont propres et on tourne et retourne. Et le poulet, on le met au frais pour environ 15 minutes pour que la marinade rentre bien dedans. La grille est chaude, 130-150 degrés Celsius. Le poulet arrive et on le met sur le grill. On attend une minute. Le poulet, on le tourne. Et pour l'huile, ce n'est pas nécessaire, on a mis l'huile dans la marinade. Le poulet, on retourne. Le petit est prêt. Et là, les gros, encore 2 minutes. Il est prêt. Et les gros, on réserve. On prend le plus gros. On le coupe. Juteux, goûteux. Et ça sent vraiment trop bon. La poitrine rejoint l'autre poitrine. Un coup d'éponge. Et voilà nos 5 poulets marinés. Donc dites-moi en bas quel vous préférez. Au curry, asiatique, barbecue. Bref, il y a du choix pour tout le monde. Maître d'hôtel, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais pour dans 3 mois. Et merci à vous qui me suivez sur le plateau Mont-Royal et partenaire. Salut, bye. Hey, mais c'est pas fini. Si vous voulez faire ces recettes chez vous, voilà ce qu'il vous faut. Pour faire la version sucrée, il vous faut 60 g de moutarde de Dijon, 60 g de sirop d'érable, 50 ml d'huile d'arachide, 2 gousses d'ail, sel, poivre, et environ 25 ml de vinaigre de cidre de pomme. Pour faire la version asiatique, sauce soya 100 ml, bien sûr c'est une sauce soya faible en sel, huile de sésame grillée environ 25 ml, vinaigre de riz environ 25 ml, oignon vert 2, 2 gousses d'ail et du gingembre. Si vous n'avez pas du gingembre et de l'ail frais, de la poudre d'ail et de la poudre de gingembre fonctionnent très bien aussi. Pour faire la version barbecue chez vous, il vous faut de l'huile d'arachide 100 ml, sauce barbecue 100 ml, un peu d'issou,
2 gousses d'ail, sel, poivre. Pour faire la version citron chez vous, il vous faut huile d'olive 100 ml, Dijon environ 25 g, 2 gousses d'ail, jus d'un citron, 5 g de thym, 5 g d'origan. Pour faire la version au curry chez vous, voilà ce qu'il vous faut. Yaourt grec environ 80 g, poudre de curry 40 g, jus d'un lime, cassonade 8 g et 2 gousses d'ail.